Non, mais c'est incroyable cette histoire. Je vous explique, dans le cadre de la journée du patrimoine, un funambule a franchi la Seine sur une corde à 70 mètres de haut, tendue entre la Tour Eiffel et le théâtre de Chaillot. Vous voyez, sur le parvis du Trocadéro. Non, mais c'est n'importe quoi, le mec, attends. Attends, ça se trouve, il y a une station de métro qui fait les deux, en plus. Qu'est-ce qui s'emmerde la vie, le Gus? Alors, ça se trouve, c'est un mec qui vient de province. Alors, il arrive avec son câble. Alors, il a pris le TGV avec son câble de plusieurs centaines de mètres de long. Alors, bonjour la galère, hein. Après, il a fallu l'installer, tout ça. Alors qu'il aurait pris un ticket de métro, le mec, et il faisait la station, et puis, voilà! Hein? Un funambule, le mec. Attends, moi, j'ai une belle-sœur qui est funambule. Hein, elle se réveille la nuit, ok, mais elle marche pas sur des câbles. Attends, c'est aujourd'hui, parce que, non, mais franchement,